bonsoir à vous et merci d'être venus aussi nombreux. Parce que tout simplement, on ne pensait pas avoir personne. Et donc, nous attendons les chaises. Les personnes debout peuvent rester. Je crois que dans 2-3 minutes, les chaises devraient arriver. Donc, la rivière a perdu de sa longueur de l'ordre de 300 mètres. Et par contre, il y a des méandres qui s'accentuent, comme celui d'Aï, par exemple, en aval de où nous sommes. Un méandre qui s'accentue régulièrement et qui va vraisemblablement se couper dans les 10 ans qui viennent. Combien d'entre vous a appris à nager sur cette plage ? Est venu pêcher avec des copains ? Ou avec son grand-père, qui n'a pas échangé des mots tendres sur le chemin de halage. Dans un paysage qui évoque le calme, le bien-être, qui devrait évoquer tout ça, pour moi, en même temps, c'est teinté d'inquiétude, parce que c'est teinté d'une espèce d'inquisition ravageuse. Je me dis toujours, regardez pour garder, alors on a les yeux presque exorbités pour se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est que ce saule. C'est une rivière qui, au dire de certains techniciens, a été perturbée de par son état naturel, par la construction et du chemin de fer, et la construction du canal. Sparkles on the yellow fields. Trust in that vision. It sounds right, like the air is so clear. Somehow, as in the day, and time is stopping for real. Les villes, les villages, patrimoine industriel de production et de commercialisation du champagne. Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est invisible. C'est à la fois les caves et les crayères. L'eau est mieux retenue et de nombreuses sources dévalent des versants. La Marne devient rivière et comme son cours est lent, elle multiplie les détours dans un fond de vallée pourtant fort étroit. On a eu une mésange charbonnière, on a eu des moineaux domestiques, on a eu... Également un Pouillot Véloce qui chantait. On a eu. Là, c'est un Instanteur Mouchet qui vient de chanter là, juste derrière. C'est indescriptible, c'est un de mes plus vieux rêves. C'était la vie de mon grand-père, c'était quelque chose que je n'aurais jamais connu si je ne vous avais pas rencontré d'ailleurs. En tous les cas, merci beaucoup d'être là. Après, naturellement, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Merci à vous en tous les cas.